goumen pour nous changer l'État. Changer l'État dans le sens de changer les rapports, les mécanismes, pour que l'État que nous avons là, qui sont l'État, côté tout le monde fait ça au pipito, ils sont l'État qui vient fonctionner selon la loi. Recommandation pour nous, renforcer l'institution, pour que l'institution fonctionne, pour remplir la mission, gens que vous devez remplir. Il y a une tendance dans la société pour banaliser la question de la corruption. Ils présentent comme un phénomène inéluctable, comme si son bagage qui pas jamais qu'à fini. Et en pile monde a parlé de question corruption sans y pas maîtriser. Donc démarche organisation ça et faculté a, c'était un point de vue scientifique sur la question pour que étudiants yo comprennent et identifier les défis. Et nous avons identifié les défis avec yo. Le plus grand défi de la lutte contre la corruption en Haïti, c'est le défi de l'état de droit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'État qui est organisé dans le cadre du respect de la loi, côté institution a fonctionné conformément à la loi, et que les dirigeants ont fait ça, ont voulu ça, ont pipito, ça n'a pas de compte à rendre à personne, donc ça favorise la corruption. Et deuxième grand défi que nous avons, c'est un défi normatif et institutionnel. Normes que nous avons aujourd'hui pour lutter contre la corruption en Haïti sont insuffisants et tout manque de clarté. Nous avons identifié quelques insuffisances, quelques manquements qui gagnent dans la législation haïtienne sur la corruption avec eux. Nous avons passé en revue les faiblesses des institutions de l'État. Par exemple, si on prend une institution comme la Cour des comptes, qui faillit totalement à sa mission, une institution comme le Parlement dans sa mission de contrôle, qui n'a jamais exercé sa mission de contrôle véritable, la loi de règlement que le Parlement n'a jamais voté, qui sanctionne l'exécution du budget national, la justice qui est défaillante, ou bon justice qui pas répondre aux justes revendications de la population, ou pas jamais de vrai procès véritable contre la corruption, institution qui a lutté contre la corruption, qui manquait indépendance et qui manquait parfois compétences techniques pour faire travail. Et au troisième défi, c'est le défi d'une société civile bien informée et organisée. C'est-à-dire que au pas une mobilisation qui fait à travers l'université, les organisations de femmes, les syndicalistes, les organisations religieuses, les écoles, les organisations de défense des droits humains, toute la société qui imprégnée de la problématique de la corruption, qui a compétence, n'est-ce pas, pour identifier les actes de corruption, pour sensibiliser la population sur la question de corruption, et pour forcer acteurs étatiques pour bailler résultat dans la lutte contre la corruption. Et c'est l'invitation que je lance à jeunes. Je me dis qu'il faut nous faire un front commun, tous unis contre la corruption, c'est le leitmotiv. Pour freiner la corruption, il faut réorganiser l'État. Ou une situation côté ou une série de citoyens qui n'ont pas collaboré, qui n'ont pas contribué à leur devoir de probité, devoir de solidarité envers les plus pauvres. Les, ils ont détourné les fonds publics, ou bien ils n'ont pas payé, ils ont fait la fraude fiscale, ils n'ont pas payé, ça a doué l'État. Eh bien, il faut que l'État, qui a fait le monde qui doit payer, payer, qui a organisé des dépenses de manière régulière et qui a sanctionné les gens qui détournent les fonds publics, qui a enrichi la tête au préjudice de la population. Bon, nous analysons la question ça tout avec les étudiants. Institutions qui ont goûté contre la corruption, ils ont fait pour gagner des caractéristiques propres. Ils ont une première caractéristique,
faut qu'ils soient indépendants. Indépendants tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. C'est-à-dire que faut que la loi garantisse leur indépendance, mais faut que les gens nous mettent là-dedans. Ils n'ont pas un comportement reste avec, ils n'ont pas quitté le pouvoir exécutif à domestiquer ou bien le pouvoir économique domestiquer. Il faut que dans la pratique, ils soient indépendants pour être capables de faire travail. Or, ce n'est pas le cas actuellement en Haïti. Et en pile faiblesse qu'il y a dans l'institution, c'est manque d'indépendance. Ah oui, bien sûr, il y a ce que j'ai expliqué, goumen pour nous changer l'État. Changer l'État dans le sens de changer les rapports, les mécanismes, pour que l'État que nous avons là, qui sont l'État, côté tout le monde fait ça au pipito, ils sont l'État qui vient fonctionner selon la loi. Recommandation pour nous, renforcer l'institution nous, pour que l'institution fonctionne, pour remplir la mission, gens que vous devez remplir. Donc, que théoriquement et que pratiquement, l'institution existe et que vous faites travail. Yo. Et pour que tout, nous gagnions une société civile qui baille tête li des compétences qu'il faut pour lutter contre la corruption. Tant de changer l'État, ça le veut dire. Nous sommes des jeunes, des grands piles manifestations, étudiants, universités, tout le monde dit, n'a pas changé l'État. Mais nous ne pouvons jamais expliquer ça le veut dire. Ça changer l'État, ça veut dire. Changer l'État, ça veut dire changer rapport. Ça veut dire changer rapport. Comment vous voulez que depuis 200 ans, Bel Air et Bel Air, Pétionville et Pétionville, La Fossette et La Fossette, Raboto et Raboto, et puis Pétionville et Pétionville. Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire que l'État, lors d'un budget, l'elle dépense 100 goudes pour Pétionville, il dépense 10 goudes pour Bel Air. Donc, rapport entre Bel Air et Pétionville, là, le cambé là, parce que y'a un écart que l'État a cambé entre deux entités. L'État a dépensé 80 gouttes pour chaque 100 gouttes qui rentrent pour Port-au-Prince, il a dépensé 20 gouttes pour la province. Zone rurale, l'État a 100 gouttes, il a dépensé 80 gouttes pour l'acheter machine, pour ministre, pour belle secrétaire dans le palais national, qui la chambre, pour député, pour sénateur. Mais il dépense 20 gouttes pour machine agricole. Donc de telle sorte que sous-développement dans la zone rurale, Kembe, rapport avec les mêmes gens. Changer l'État, c'est ça. C'est changer rapport, changer relation. Faire en sorte que ou avez des rapports, des relations dans l'exécution des budgets de l'État qui favorisent les plus pauvres, qui favorisent les zones défavorisées, contrairement à ça j'en fait qu'on y a. Mon message, moi-même, je lance un appel pour toute couche vive dans la société, hein? L'université, les syndicats, les organisations de femmes, les organisations de défense des droits humains, les groupes de jeunes, les groupes paysans, la presse, tout le monde pour nous mettre ensemble pour nous goûter contre la corruption. C'est seul gens pour Haïti sortir dans la marasme qu'il y a là.